369 milliards de dollars pour le climat. The bill, as amended, is passed. C'est historique. Hier, le Sénat américain a voté l'Inflation Reduction Act. Ce plan, c'est juste le plus gros investissement jamais voté aux États-Unis pour la préservation de la planète. Et ils vont le chercher où, tout cet argent ? Chez les riches ! En fait, pour financer cette loi, le texte prévoit de taxer à 15% les grandes entreprises qui réalisent un bénéfice de plus d'un milliard de dollars par an. Grâce à ça, ils devraient récupérer 258 milliards dans les 10 prochaines années. Dans le détail, les Américains espèrent diminuer de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et comment vont-ils faire ? En incitant à l'achat de voitures électriques, par exemple, avec une aide de 7 500 $ pour les Américains. Le gouvernement veut aussi investir 60 milliards de dollars dans les énergies vertes, comme les éoliennes. L'autre point positif de ce plan, c'est qu'il prévoit une énorme avancée dans le domaine de la santé. À partir de 2026, le prix des médicaments devrait baisser. Konmini,